Et bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et comme vous le voyez derrière moi les amis, il y a toujours le cadavre, enfin le faux cadavre du docteur Dimitri, puisque il a fait croire à sa mort en faisant pendre un cadavre ici. On a cru qu'il s'était pendu au début, et en fait non, pas du tout, c'était totalement un fake. Et il a juste pris un pantin et il a mis des habits de docteur Dimitri. Mais sur son corps, on a retrouvé, sur son faux corps, on a retrouvé un livre avec des choses écrites à l'intérieur les amis, donc on va découvrir tout ça dans la vidéo de aujourd'hui. Ça va être incroyable, qu'est-ce que Dr Dimitri aurait bien pu me dire dans cette vidéo les amis. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, c'est hyper important, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a 3 personnes qui se sont abonnées hier, donc je les remercie. Il y a Les Etsu, il y a Johan Langevin et il y a Kenzo Lestavel. Donc voilà, j'espère que je le dis bien. Merci beaucoup à vous 3 de vous être abonnés. Si vous voulez une dédicace dans la vidéo de demain, eh bien n'oubliez pas de vous abonner maintenant les potes. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Donc du coup, avant d'ouvrir le livre les amis, on va aller voir Diego, on va aller le réveiller, c'est super important. Et au cas où il se passe un truc, parce que là on est en pleine nuit, il n'y a personne avec moi. Donc au cas où, Diego il peut être là pour m'assister. Il y a quelques personnes, je pourrais appeler la police, par exemple le Cosmos, s'il se passe quelque chose de grave et tout. Je ne sais pas les amis. Alors, et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que le livre dit? Moi je pense qu'il fait juste une lettre, moi je pense que c'est une lettre où il dit pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ce faux pantin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que visiblement il a quitté la ville, enfin il est parti. Donc peut-être que ça explique pourquoi il serait parti ou pourquoi il a fait croire à sa mort les amis. Donc eh bien on verra bien ce qui se passera de toute façon aujourd'hui hein. Je vais ouvrir le livre juste après avoir réveillé Diego. Alors hop, c'est parti les amis, hop hop hop. Et j'ai aussi des sponsors à remercier. Donc voilà, je mettrai leur statut. Il y a 2 nouveaux sponsors, donc déjà je les remercie, c'est, il y a William Reinich et il y a Mathéo Matisse. Donc merci beaucoup à eux, je mettrai leur statut juste après. Diego. Oh merde, c'est vrai qu'il dort. Hop. Oh, Diego. Mais Diego, mais tu dors pas? Mais Diego, il est... Eh hey, les amis, il est 3h du matin. Il est 3h du matin et Diego, il dort pas. Mais Diego, tout à l'heure, je t'ai mis au lit là. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Bon, écoute, tu fais des dessins. Qu'est-ce que t'as fait comme dessin? T'as fait un creeper, il a fait une petite maison, il a fait un creeper. Bon, ok. Mais écoute, si je viens vers toi, c'est qu'en fait là, j'ai besoin de toi. Tu sais, quand je fais des trucs dangereux, je t'appelle toujours au cas où pour assister et tout, pour m'aider s'il y a un problème. Imagine, il se passe un truc, je me blesse et tout, tu pourras prévenir les secours. Enfin bref, du coup, ça tombe bien que tu sois réveillé finalement. Allez, va te changer, enlève-moi ton petit pyjama et tu descends. Tu descends une fois que c'est bon. Ok, let's go les potes, on descend, hop 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 hop. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué un truc sur la maison les amis? J'ai amélioré la maison, regardez, même un petit peu autour, j'ai amélioré le toit, maintenant il est bien lisse, même ici, regardez, maintenant tout est bien lisse, et aussi là, tout est bien arrondi, enfin ça, c'est un peu mieux arrondi, voilà, c'est nickel. Ah bah t'es déjà prêt? Ah Diego, il est déjà prêt, regardez. T'as pas froid avec la neige là? Il a pas froid celui-là. Bon, bah nickel. En tout cas, je vais mettre, donc c'est 2 oxy sponsors les amis, c'est 2 personnes qui vont être là. On va aller virer-moi cette coque oxymose là, voilà, on va la mettre là. Regardez, c'est la même coque qui est là. Donc hop, on y va, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a Diego? Oui, on va les mettre là. Du coup, il y a 2 nouveaux sponsors, les amis. On va les ajouter. C'est un honneur de les ajouter ici, les amis. Et bonne année à vous. Merci, hein. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir des sponsors, les potes. Et du coup, on va les remercier. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, il y a William Reinich. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et il y a Mathéo Matisse. Alors, Mathéo Matisse. Voilà, donc merci beaucoup à vous les amis, ça pourrait être vous la prochaine fois. Donc comment il faut faire pour avoir votre nom avec votre petite statue? Eh bien vous pouvez avoir même des statues comme ça. Si vous êtes Oxydieu, OxyVIP, vous avez un petit Pikachu. Oxyor, vous avez un petit Kirby. Et OxyCharbon, vous avez un petit dinosaure. OxySponsor, vous avez ma tête. C'est le moins cher OxySponsor, c'est un abonnement payant qu'il faut avoir. Alors vous pouvez l'avoir soit en cliquant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur ordinateur. Si vous êtes sur téléphone, je crois qu'il n'y a pas le bouton rejoindre, mais en gros c'est en dessous de la vidéo, il y a dans la description un lien pour, c'est marqué deviens membre ou deviens sponsor. Quoi, tu veux devenir membre? Tu veux devenir sponsor Diego? Ah la boutique!
Oh, la boutique, je pense qu'on les a assez embêtés avec ça. Il y a la boutique. Bon, les amis, il y a la boutique de vêtements dans la description, etc. Bon, bref. Là, on a un truc de super important à faire, Diego. Donc, il faut venir. On va se remettre près du corps de... Ah, ok, je me demandais où t'étais. Je me demandais où t'étais passé. Je crois que t'auras un petit peu de mal à grimper ici. La pente, elle est assez tendue, là. Ah ouais, bah, il n'y arrive pas, voilà. Allez, soulève-le. J'étais après à faire de la muscu, là. Voilà. Diego le bodybuilder, les gars. Diego le bodybuilder, regardez-moi ça. Ah bah non, mais là, il faut le monter en entier. Bon, Diego, bon, il a pas encore beaucoup de force. Il peut pas traîner ça sur beaucoup de mètres. Allez, vas-y, viens, Diego. Il faut venir avec moi. Et du coup, on va lire la lettre devant le faux corps de Dimitri, les amis. J'ai assez peur de ce qui va être marqué. Donc, là, j'ai quand même un petit peu peur. Donc, let's go, on y va. Allez, go. Je sais pas du tout ce qu'il y a de marqué. Ça me fait très peur, les amis. Je comprends pas. Je pense que pour ceux qui ont vu les vidéos récentes où il s'est pendu et tout, allez les voir, les potes. Mais sa réaction, enfin, c'est pas sa réaction, mais sa... Je sais pas. Son comportement ces derniers jours était vraiment très, très, très bizarre. Genre, vraiment, il y avait un truc qui allait pas du tout. Et ça se voyait. Il changeait de comportement d'une seconde à l'autre. Enfin, c'était vraiment bizarre. Alors, vous voyez, il est là. Voilà, il est là. Ok, super. Et vous avez vu, il s'est tout aplati. Il a encore changé de, forme parce qu'il a mis de la mousse. En fait, il a rembourbé ses habits actuels avec de la mousse. Et du, c'est vrai qu'on dirait vraiment que c'est lui, quoi. Mais d'ailleurs, on pourrait regarder sur les caméras de surveillance. Hein. On pourrait regarder vu qu'on a vu sur les caméras de surveillance ta disparition, Diego. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, ah ouais, on peut regarder, il y a peut-être d'autres indices ici, il y a des feuilles, ouais, bon. Écoute, du coup, reste à l'intérieur, Diego, on sait jamais, reste à l'intérieur. Regarde s'il y a des indices, des petites feuilles et tout, et voilà. Ok, bon les amis, on va lire la lettre tant attendue. Allez, 3, 2, 1, go! Bonjour, si tu as trouvé ce message, c'est que tu as cru que j'étais mort. Je suis en réalité toujours vivant, mais je suis parti! Je n'en pouvais plus de cette vie. Trop de pression, trop de menaces, mon labo ne me plaisait pas. Reste à l'intérieur, Diego, reste à l'intérieur, il peut se passer un truc. Il y a des caméras, il y a des trucs. J'ai peur, je deviens parano. Reste à... Voilà, super. Alors les amis, attendez, il y a deux pages. La première page, bonjour, tu as trouvé ce message. Donc il n'est pas mort. Comment il a su que j'ai cru qu'il était mort? Mais en tout cas, il est toujours vivant. Mais il est parti, donc c'est bien ce qu'on pensait. Il n'est pas mort, il est parti, il s'est barré. Il n'en pouvait plus de cette vie, trop de pression, trop de menaces. Mon labo ne me plaisait pas. Comment ça, trop de menaces? Comment ça, trop de menaces? On l'a pas menacé, nous? On l'a pas menacé, les amis? C'est quoi, ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les amis? Bon, je comprends pas trop le délire, là. Je comprends pas trop le délire, trop de menaces. Bon, les amis, on va lire la deuxième page. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai activé une bombe à retardement. Quoi? Mais quoi? Tu as ouvert ce livre? Et au moment où tu le refermeras, un compte à rebours de 10 minutes se lancera. À la fin des 10 minutes, mon labo explosera et tu pourras m'oublier à tout jamais. Quoi? Mais attendez, mais les amis, c'est pour ça que le compte, il y avait un compteur là. C'est pour ça qu'il y avait un compteur. Merde! Merde, je l'ai fermé tout à l'heure. Mais... Ouais, j'ai un compteur de 10 minutes. Son labo explosera. Merde, Diego! N'écoute pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut sortir. Diego, sors. Il y a une bombe dans le... Dans le labo, sors, rentre à la maison, vite, il faut rentrer à la maison. Oh merde, merde les amis. What the fuck? C'est ça le compteur qu'on voit. Ok, vas-y, go, réfugie-toi dans la maison. Oh merde, comment ça une bombe? T'as vu une bombe dans le labo? Diego, t'as vu une bombe? Non, t'as pas vu de bombe. Qu'est-ce qu'il raconte? Vas-y, viens, on rentre à la maison. Oh là là, merde. Les amis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai peur là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vas-y Diego, il faut te bunkeriser cette fois-ci. J'espère qu'il n'y a pas de bombe dans la maison là. Eh purée, j'ai fait une connerie en plus. Je lui ai dit ouais, vas-y, reste dans la maison et tout. Diego, reste dans le labo. On sait jamais. En fait, c'est le labo le piège. Oh, merde alors. Et en fait, quand il est ressorti, j'ai enlevé le livre et ça a déclenché le compte à rebours parce que j'avais pas lu la deuxième page encore. Merde. Diego, vas-y, ferme tout, ferme toutes les fenêtres, ferme tous les volets, ferme, vas-y, viens, rentre à l'intérieur. S'abonner. Qu'est-ce que... Tu veux que les gens s'abonnent?
Bon bah abonnez-vous les amis. Bon allez, on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps. Les amis, c'est vrai qu'il faut s'abonner. Écoutez Diego, c'est important. Écoutez Diego, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Franchement, on vise là, on vise le cassage de YouTube cette année. On va casser YouTube, ok? Donc explosez-moi cette barre d'abonnement. Là, on faut atteindre le million cette année. Je sais qu'on peut le faire, les potes. Donc let's go, let's go, let's go. Bon là, c'est pas qu'on est là pour, on n'est pas là pour parler de ça, les potes. Là, on est là pour. Le stress monstre, les amis, le compte à rebours, il descend. Là, je sais pas quoi faire, les potes, parce que peut-être, bah justement, si j'appelle la police, peut-être que le cosmos va m'envoyer une quelqu'un qui s'est déminé ou un démineur ou je sais pas. Il faut essayer de trouver la bombe, les gars. Vous savez quoi, je vais essayer de voir avec la police s'ils peuvent pas faire quelque chose ou les pompiers et tout. Ok, allez, à tout de suite, les potes. Ok les potes, c'est bon, je suis avec un policier démineur. Donc c'est bien ça, vous êtes police, vous êtes démineur? Oui, je suis démineur. Voilà, donc j'ai essayé de contacter la police là, le poste, et en fait le cosmos n'était pas là, il était pas en service et tout. Donc voilà, c'est un autre personne. Enfin, vous venez pas de ce commissariat, vous venez d'un autre commissariat d'une autre ville. Donc il a mis un peu de temps à venir, les amis. Et bah, dites-moi quelles informations vous avez besoin pour travailler là, parce que ça va péter. La bombe, elle est bien ici. Ouais, alors la bombe, d'après le livre, elle est dans le laboratoire, la bombe. Et vous savez exactement où elle est ou pas? Non, je sais pas où elle est, j'ai pas vu. Attendez, vous avez le décompte? Comment ça, j'ai le décompte? Oui, le décompte, il reste à peine 3 minutes, il reste un peu plus de 3 minutes. Bah, faut aller la chercher, hein. D'accord. Si ouais, alors go, on va chercher. Par contre, je sais pas du tout à quoi ça pourrait ressembler et tout, donc voilà. Vas-y, c'est bon, on va tout casser, okay. Les amis, on s'en fout, on casse tout. Ça ressemble à quoi? Ça serait plutôt gros, ça serait plutôt pas gros, parce que il a dit que... C'est plutôt gros. Il a dit que ça pourrait faire exploser tout le labo. Je casse toutes les portes, cassez tout, on s'en fout. Si vous trouvez un truc qui ressemble à une bombe, vous me dites. Ok, analyseur, tout ce qui sert à rien, je casse. Ok, centre de tir. Les amis, purée, c'est la merde. Donc on partira à quel moment des mineurs, parce que moi je reste pas là si elle explose dans 10 secondes, hein. Je vous le dis. Bah on ne sera obligé de partir, hein. Mais quand? Bah quand il restera une minute. Quand il restera une minute? Je vous préviens quand il reste une minute ou pas? Oui. Oh, il y a un signal, venez voir, il y a un signal redstone là. Attendez, venez, vous êtes où? Là. Là. Venez voir, il y a un truc là. C'est ça ou pas? Regardez. Ah. C'est ça, non? C'est quoi ça? Dropper? On dirait que c'est plutôt une machine essai. C'est un... Non, ouais, c'est un labo. Pas ça. Ouais, non, bah c'est pas... Ça a pas l'air d'être ça, ouais, c'est pas une bombe. Ça. Non, c'est pas du tout ça. Excusez-moi, j'ai cru que c'était une bombe. Et il faut se fier à tout. Vous trouvez pas? Oh purée, il reste même pas deux minutes. Il reste même pas 2 minutes. Ok. Oh purée, mais ça peut être où, les amis? Ça peut être où? Ça peut être où? Ok, il reste quelques secondes. Oh, il y a un truc là. Oh, il y a des TNT. Descendez vite. À l'entrée. On n'avait pas vu. Oh purée. On casse les TNT, oula. Vite. On a 30 secondes. 33 secondes. Oh merde. On a un peu plus de 30 secondes. Oh là là. 27, 26. Là, ça va casser dans... Ça va péter dans 1 minute 23. À peu près. Oh purée. À 1 minute, on doit partir par sécurité, c'est ça? Ah bah oui, on est obligé. Ok. Ouah, mais attends, ça va pas péter le labo, ça va péter toute la ville. Mais il est fou, le docteur Dimitri. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, ok, c'est bon, ça va faire une minute. Partez, faut partir. On part. Go. Oh purée, toutes les TNT qui restent. Oh, on est dans la merde. Oh shit, ça va tout exploser. Merde, il faut partir. Attends, je retourne casser quelques TNT, je m'en fiche. Il reste 49 secondes. Ouais. Oh purée, c'est la merde, les amis. Oh, oh mais wesh, il va exploser toute la ville avec ça. Il est fou. Il reste 40 secondes, les amis. Il reste 40 secondes. Ok. Go. Je sors. 35, 34. Ok, go. On s'éloigne. Oh purée, il y a tellement de TNT, les amis. Mais il est fou, le docteur Dimitri. Ça va pas exploser que le labo, là. Oh purée. 25, 24, 23, 22. Ok, les amis. Ok, on se cache. Oh, on peut se cacher au sous-sol, ici. Policier, on peut se cacher là, derrière. Ah oui. Comme ça, on va avoir l'explosion. 13, 12. Les amis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Les amis. La suite. Oh, purée. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos. C'est important. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, purée, ça va être la merde. Ça va être la merde. Oh, merde. Oh là là, ça va être la merde. Oh, ça explose.
Ça explose. Ça explose.